La Martinique, île française des Caraïbes, est en proie à une vague de protestations. Les rues de Fort-de-France, la capitale, sont remplies de manifestants déterminés à faire entendre leur voix. Les manifestations découlent d'une colère généralisée face à la vie chère. Les habitants expriment leur frustration face à l'augmentation incessante des prix. Les prix des produits de première nécessité, notamment la nourriture et le carburant, ont grimpé en flèche ces dernières années. Les familles doivent faire face à des dépenses quotidiennes de plus en plus lourdes. Il est ainsi devenu de plus en plus difficile pour de nombreux habitants de subvenir à leurs besoins quotidiens. Les parents peinent à nourrir leurs enfants et à payer les factures. Les manifestations, initialement pacifiques, ont dégénéré en violence et en troubles dans certaines zones. Des affrontements avec la police ont éclaté, ajoutant à la tension déjà palpable. La situation a entraîné une réaction rapide du gouvernement local. Les autorités ont tenu des réunions d'urgence pour tenter de trouver des solutions. Les autorités ont mis en place des mesures visant à calmer les troubles et à rétablir l'ordre. Des forces de sécurité supplémentaires ont été déployées dans les rues. Ces mesures ont suscité des réactions mitigées de la part de la population. Certains soutenant les efforts du gouvernement pour maintenir la stabilité, tandis que d'autres les critiquent, les jugeant autoritaires. Les avis sont partagés sur l'efficacité de ces actions. Les manifestations ont propulsé la question du coût élevé de la vie au premier plan du débat public en Martinique, suscitant des discussions animées dans les foyers et les lieux publics, suscitant des discussions sur les inégalités économiques et la nécessité de justice sociale. Les citoyens demandent des réformes pour améliorer leurs conditions de vie. Les manifestations en Martinique sont un signe clair de la frustration et du mécontentement croissant de la population de l'île. Les pancartes et les slogans reflètent un profond désespoir. Des années de difficultés économiques et un sentiment de manque d'opportunités ont alimenté un sentiment de colère et de ressentiment envers les autorités. Le chômage et la précarité sont des problèmes récurrents. Les manifestations, bien que déclenchées par la vie chère, reflètent des problèmes sous-jacents plus profonds, liés aux inégalités sociales et économiques. Les habitants réclament des changements structurels pour un avenir meilleur. Face à l'escalade des troubles, le gouvernement local a pris des mesures décisives. Invoquant des préoccupations de sécurité publique, et le risque de nouvelles violences, les autorités ont interdit toutes les manifestations et tous les rassemblements publics. Cette décision, bien que visant à rétablir l'ordre, a suscité des critiques de la part de certains qui y voient une censure et des tentatives d'étouffer la dissidence. Le gouvernement a défendu sa décision, affirmant qu'elle était nécessaire pour prévenir de nouvelles violences et protéger les personnes et les biens. Les forces de sécurité, notamment la police et la gendarmerie, ont été déployées en nombre important pour faire respecter l'interdiction et maintenir l'ordre. Leur présence est particulièrement visible dans des zones clés telles que les bâtiments gouvernementaux, les quartiers commerçants et les quartiers résidentiels où les manifestations ont été concentrées. Le déploiement des forces de sécurité a eu un impact mitigé sur la situation. Si leur présence a dissuadé les manifestations de grande envergure, elle a également conduit à des confrontations tendues avec les manifestants dans certains cas. Des affrontements ont été signalés entre les forces de sécurité et les manifestants, faisant des blessés et des arrestations. Au cœur des manifestations se trouve un réseau complexe de facteurs économiques qui se prépare depuis des années. Les habitants de Martinique expriment leur mécontentement face à une situation qui semble ne jamais s'améliorer. La Martinique, bien qu'étant un département d'outre-mer de la France, souffre d'un coût de la vie nettement plus élevé qu'en métropole. Les prix des biens de consommation courante, des services et même des produits alimentaires de base sont souvent hors de portée pour beaucoup. Cette disparité est attribuée à un certain nombre de facteurs, notamment la dépendance de l'île vis-à-vis des importations pour les biens essentiels, ce qui entraîne des coûts supplémentaires pour les consommateurs locaux.
les coûts de transport élevés, dus à l'éloignement géographique de l'île, ajoutent une charge financière supplémentaire sur les produits importés. En outre, des taxes perçues comme lourdes par de nombreux habitants aggravent encore la situation économique. Ces taxes incluent non seulement les impôts directs, mais aussi des taxes sur les produits importés. Le coût élevé de la vie a un impact profond sur la vie quotidienne de nombreux Martiniquais. Les familles doivent faire des choix difficiles pour équilibrer leur budget. Les salaires n'ont pas suivi la hausse du coût des biens et services, ce qui a érodé le pouvoir d'achat et rend de plus en plus difficile pour de nombreuses familles de joindre les deux bouts. Les produits de première nécessité deviennent des luxes pour certains. Cela a conduit à un sentiment croissant d'insécurité économique et de frustration, en particulier chez les ménages à faible revenu et ceux qui vivent de revenus fixes. Les jeunes, en particulier, ressentent un manque d'opportunités économiques. Les disparités économiques entre la Martinique et la France métropolitaine sont une source de débats et de controverses permanents. Les Martiniquais se sentent souvent oubliés par le gouvernement central. Si le gouvernement français accorde une aide financière à l'île, les critiques estiment qu'elle est insuffisante pour s'attaquer aux causes profondes du coût élevé de la vie. Les aides ponctuelles ne suffisent pas à résoudre les problèmes structurels. Ils appellent à des réformes structurelles pour s'attaquer à des problèmes tels que la dépendance aux importations, les coûts de transport et le système fiscal. Des solutions durables sont nécessaires pour améliorer la situation économique de l'île et offrir un avenir meilleur à ses habitants. Face à la pression croissante et à la nécessité de s'attaquer aux causes profondes des troubles, le gouvernement a annoncé son intention d'engager un dialogue avec les différentes parties prenantes. Il s'agit notamment de représentants d'organisations de la société civile, de syndicats, de chefs d'entreprise et d'élus. L'objectif de ces discussions est de trouver un terrain d'entente et d'identifier des solutions potentielles aux défis économiques auxquels la Martinique est confrontée. Cependant, la voie du dialogue est semée d'embûches. Les tensions restent vives et une méfiance profonde règne entre le gouvernement et certaines franges de la population. Certains dirigeants de la contestation ont exprimé leur scepticisme quant à la volonté du gouvernement d'engager un dialogue constructif, y voyant une tactique visant à apaiser l'opinion publique sans s'attaquer aux causes profondes de leurs griefs. Malgré les difficultés, le gouvernement a souligné sa détermination à trouver une solution pacifique à la crise. Il s'est engagé à écouter les préoccupations de la population et à travailler en collaboration avec elle pour trouver des solutions qui s'attaquent au coût élevé de la vie et promeuvent des opportunités économiques pour tous les Martiniquais. Alors que la Martinique traverse cette période difficile, marquée par des défis économiques et sociaux sans précédent, la nécessité de solutions durables pour s'attaquer aux problèmes économiques et sociaux sous-jacents n'a jamais été aussi évidente. Les discussions économiques au sein des communautés montrent un désir profond de changement. Les manifestations ont mis au jour des frustrations et des inégalités profondes qui coulèrent depuis des années. Ces protestations sont le reflet d'un besoin urgent de justice sociale et d'équité. S'attaquer à ces problèmes nécessitera une approche multiforme impliquant le gouvernement, le secteur privé et la société civile. Une collaboration étroite entre ces acteurs est essentielle pour élaborer des stratégies efficaces. L'une des priorités clés doit être de s'attaquer aux coûts élevés de la vie. Les prix exorbitants des biens de première nécessité pèsent lourdement sur les familles. Cela nécessitera de s'attaquer à des questions telles que la dépendance aux importations, qui rend l'économie vulnérable aux fluctuations mondiales, la promotion de la production locale, afin de renforcer l'autosuffisance alimentaire et de soutenir les agriculteurs locaux, l'amélioration des infrastructures de transport pour faciliter la mobilité et le commerce, et la garantie d'une concurrence équitable sur le marché pour encourager l'innovation et la croissance des entreprises locales. Il est également crucial d'investir dans l'éducation, la formation et les programmes de création d'emplois afin de donner aux Martiniquais les compétences et les opportunités dont ils ont besoin pour réussir dans l'économie du 21e siècle.
Une main-d'œuvre qualifiée est la clé de la prospérité future. En fin de compte, trouver des solutions durables pour la Martinique nécessitera un engagement en faveur du dialogue, de la collaboration et d'une vision commune d'une société plus juste et plus équitable. Chaque voix doit être entendue et chaque opinion respectée. Il faudra écouter la voix de la population, comprendre ses préoccupations et travailler ensemble à la création d'un avenir où tous les Martiniquais auront la possibilité de s'épanouir. La solidarité et l'unité seront les piliers de ce renouveau. En fin de compte, c'est par l'engagement collectif et la détermination que la Martinique pourra surmonter ses défis et bâtir un avenir meilleur pour tous. Il faudra écouter la voix de la population, comprendre ses préoccupations et travailler ensemble à la création d'un avenir où tous les Martiniquais auront la possibilité de s'épanouir. La solidarité et l'unité seront les piliers de ce renouveau. Et travailler ensemble à la création d'un avenir où tous les Martiniquais auront la possibilité de s'épanouir. La solidarité et l'unité seront les piliers de ce renouveau.